Bonjour Daniel. Bonjour Frédéric. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui, de pouvoir partager un moment. Et je voulais juste une question à te poser. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté l'Optio au départ? Et quelle est la problématique? Pourquoi tu l'as acheté et pourquoi tu l'as utilisé? Alors j'étais très curieuse de voir comment on pouvait perdre du poids avec l'Optio. Oui. Et puis donc j'ai essayé le programme Changer d'esprit et de silhouette. Et j'ai vraiment été bluffée. J'ai essayé ça dans l'après-midi. Oui. Et le lendemain matin, devant mon bol de céréales, ma main ne voulait plus aller dans le bol. Donc j'étais bloquée. Il n'y avait pas moyen. J'avais envie d'y aller, mais ma main me disait non. Et en fait, j'ai dit à mon mari, je ne peux plus manger. Il a ri, mais je ne pouvais réellement plus manger. Mm-hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes mes proportions diminuaient dans mon assiette. Chaque fois, mon mari me disait, tu vas manger que ça? Ben oui, j'en ai pas envie de plus. Les proportions ont diminué et je me suis surprise à mâcher, chose que je ne faisais jamais. Je mâchais, je mangeais tranquillement et ça m'a permis de perdre 2,8 kg en même pas 3 semaines. Oula. Donc je n'ai rien changé à mon alimentation. Quand j'avais envie d'une bière, ben, je suis du Nord, on boit de la bière. Je prenais ma bière, j'avais l'apéritif le dimanche, je prenais mon apéritif. Mais mes proportions ont vraiment, vraiment diminué. Je mangeais plus que mon mari et maintenant j'ai des assiettes très, très raisonnables. Donc si j'entends bien, c'est un peu changé au niveau du cérébral, ton approche par rapport à... Alors, le programme c'est changer d'esprit et de silhouette. J'ai vraiment changé d'esprit et de silhouette. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on se sent dégonflé, on se sent vraiment mieux. Mon objectif c'était de rentrer dans une tenue que j'affectionnais particulièrement. Oui. Et j'ai pu la reporter. Ok. Et ce programme, tu l'utilisais à quelle fréquence? Alors, ben, en fait, ça a eu des effets tout de suite le lendemain. Oui. Et puis après, je me suis dit, ben, vaut mieux une piqûre de rappel et le faire une semaine après. Oui. Donc, je l'ai fait une semaine après. Après, j'ai plus besoin parce que je me rendais compte que mon assiette restait correcte. Okay. Et quand je vois maintenant que je remets un peu trop, je me dis, attention, et je repars faire une séance de psio, et ça revient normal, je mange raisonnablement. Et donc, c'est ça aussi, c'est l'utiliser au quotidien, par exemple une fois par semaine ou une fois tous les trois semaines, quand on en a besoin. Voilà. Exactement. Et je dois signaler aussi qu'il n'y a plus du tout de grignotage. Ah. Avant les repas, quand je préparais le repas, je mangeais déjà plein de choses, et avec des grosses assiettes après. Et là, plus du tout de grignotage. Okay. Mais je pense que le côté esprit, c'est très fort. Parce que pendant la séance, au bout de 10 minutes, je me suis endormie. Et je me dis, ce que mes oreilles n'ont pas entendu, mon cerveau l'a vraiment bien enregistré. Exactement. Et c'est toute la puissance du psio. Ok. Merci Daniel pour ce partage. Comme ça, d'autres personnes pourront voir aussi l'efficacité de cet appareil et surtout pourront aussi le tester. C'est ça qui est plus important, c'est le témoignage bien sûr, mais c'est aussi de pouvoir le tester sur soi. Voilà. Merci Daniel. Très bien.